Ouais, allô, ouais, tu vois le coiffeur d'Anto? Ouais, bah dis-lui de fermer son co voilà, son salon, tu le fermes. Voilà, c'est ça, voilà, parce que les coupes de Jules, c'est terminé. Au revoir. Ok, salut la team. Bon, oui, voilà, j'ai pas mis de casquette. Donc vous allez devoir supporter un petit moment ma coupe de cheveux de merde. Je suis désolé, mais c'est pas grave. J'essaie de faire au mieux, j'essaie de plaquer mes cheveux pour pas que ça se voit. Bref, on s'en fout, let's go. Alors, vous avez bien aimé le trickshot numéro 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire une vidéo sur le trickshot numéro 2. Cette fois-ci on va essayer de faire des choses différentes de la dernière fois. Donc c'est-à-dire que la dernière fois on a fait avec une balle de tennis. Malheureusement je n'ai toujours pas récupéré ma balle de tennis. Donc ça m'arrange, c'est très bien comme ça. On va plus jouer avec les balles de ping-pong. Donc voilà, on va faire des trucs avec des casseroles et tout, ça va être super. Putain, j'ai fait l'intro la plus courte au monde, je suis trop chaud. Je suis trop chaud, c'est tout ce que j'ai à dire. Attends, si jamais tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, rejoindre la communauté, parce que crois-moi, c'est les meilleurs. Ma communauté, c'est les meilleurs. Donc si tu veux faire partie des meilleurs, des élites, abonne-toi à ma chaîne YouTube, lâche un petit like et commente. Je suis nouveau et je suis content. Voilà, tout simplement, ok? Et si t'es pas nouveau, tu mets dans les commentaires, je suis pas nouveau et je suis content aussi. Très bien comme ça. Si jamais tu n'es pas au courant, je suis coach sportif diplômé. Donc si jamais ça t'intéresse, va dans la description si jamais tu veux changer physiquement. Et je t'ai fait un petit programme avec des vidéos. T'as juste à lancer, hop, la vidéo. C'est comme si j'étais avec toi sur place en fait. Je te montre l'exécution des mouvements. Je te dis les temps de récupération. T'as pas besoin d'avoir ton chronomètre à côté ou je sais pas quoi. T'as juste besoin d'avoir mes vidéos, de lancer les vidéos. C'est tout simple. Donc bref, va dans la description. C'est sans matériel. Débutant comme intermédiaire. C'est adapté pour tout le monde. C'est super simple, ludique, efficace. Dans la description. Voilà. Bref, on passe à la vidéo, let's go. Il faut qu'on laisse un peu le suspense avant d'entrer dans la vidéo, tu vois ou pas? Là, t'en as marre. Là, je vois que t'en as marre. Donc, ce qu'on va faire, quand t'en as marre, jingle, let's go. Donc, du coup, une balle de ping-pong et une petite balle de basket, ok? Alors, avant tout, avant que ceux qui me demandent pourquoi je suis en polo, simplement parce qu'après, j'ai un date, les gars. C'est tout. Allez. Siri, à quelle heure est mon rendez-vous aujourd'hui? Ton rendez-vous d'aujourd'hui n'existe pas car tu es qu'une merde, donc fais pas le mec STP. C'est bon, t'es pas obligé de me le dire comme ça. Bon, on va commencer par un truc que j'ai vu partout sur TikTok, Instagram, partout. Vous savez les trucs avec les casseroles là, que vous mettez la petite balle de ping-pong et en fait, elle fait de casserole en casserole ou de poêle en poêle, je sais plus. Et sauf que j'ai pas beaucoup de trucs de ça. Et qu'après à la fin, elle va dans un verre. La dernière fois, ce que j'avais oublié de faire, c'est que j'avais pris un gobelet. Malheureusement, le gobelet était vide. Alors qu'en fait, il faut le remplir de l'eau dans le gobelet. Comme ça, on est sûr que la balle reste dedans et ne va pas ressortir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je vais mettre un peu d'eau dans le gobelet. Écoutez, c'est parti, hein, place au premier trick shot. Est-ce que ça va marcher? J'espère, parce que sinon, je vais y passer la journée, il est déjà 15h. Bref, let's go là-dessus. Hop. Donc, on va faire ça en fait. Ça va tomber là, ça va faire tic-tac. Ah mais il faut un truc en hauteur. Ah, ça va être interminable. Ok les gars, j'ai capté un truc. La balle quoi, à partir de celle-là, elle va vers la droite. Donc si je l'ai mis un peu vers la droite, ça va le faire alors. Ça veut dire... Ah mais oui, c'est exactement ça. Oui, plus par là. Tellement satisfaisant. Franchement, en fait, le truc des casseroles, c'est simplement en fait de se dire, ok, là tu vois que la balle elle va un peu plus vers la droite, donc décale un peu tout vers la droite. C'est pas compliqué. Là, ça doit faire peut-être 10 minutes que je suis dessus. Je pensais vraiment que j'allais mettre du temps dessus. Bon, il n'y avait pas beaucoup de casseroles, il y en avait 1, 2, 3, 4, quand même, ok. On va monter le niveau un peu plus haut, donc si t'aimes bien la vidéo, déjà pense maintenant à liker, et on continue, et à la fin tu verras, il y aura un truc de ouf. C'est sûr, c'est sûr. Let's go. Trickshot numéro 2. Bon, malheureusement, je suis désolé, je vous accélère ça parce que j'avais mal réglé ma caméra. Du coup, ça fait vraiment mal aux yeux. Donc, je vous laisse directement là où j'ai réussi. Voilà, c'est tout. Là, c'est sûr, des fois ça va devant, des fois ça va derrière. Enfin, bon, celui-là, il était super long. Ce trickshot va être très simple. Je vais devoir prendre ma brosse à dents. Je vais devoir la lancer et faire ça. En sachant qu'elle rentre à peine. Vraiment, vous pouvez observer que l'écart entre la brosse à dents et le trou, enfin c'est super bizarre en fait ce que je vous dis. Non, c'est soit c'est super bizarre, soit je suis un gros con. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou un gros bouffe. Dites-le moi, vous avez le droit de le dire. Bref, elle doit faire ça. Ok? Est-ce qu'à votre avis ça va le faire ou pas? Je ne sais rien. Bon, pour ça je vais vous tenir je pense du coup, parce que sinon ça va être compliqué. On va se mettre à cette distance là, ok? Vous me voyez là-bas, miroir? Donc vous savez, je ne triche pas. Bref. Premier essai pour voir si c'est possible.
On va oublier ça parce que vous avez entendu le bruit du miroir. On va oublier. On va oublier parce que j'ai pas vraiment envie de casser le miroir. Trickshot suivant, c'est parti. Là, je viens de trouver un truc. Si j'arrive à le faire, ce serait énorme. Je vous explique, ça va être très simple. Ici, il y a une balancelle, ok. La balle, je vais la faire venir ici. La balancelle, je la fais bouger comme ça. La balle va rouler. Pour au final, ici, quand la balancelle va venir vers l'avant, va la faire tomber ici, qui va tomber sur la planche, qui va faire tomber les marches et qui va atterrir dans le gobelet. Mais écoutez, comme d'hab, on essaye. Let's go, c'est parti pour le trick shot numéro 3. Ah oui. Non. A few moments later. Oh. C'est que merde. Oui. Enfin. J'en ai marre. La team, celui-là, ça a été le plus long, le plus chiant. J'en ai transpiré, j'en pouvais plus parce que je devais que faire monter et descendre les marches, monter et descendre. En fait, ce qui était chiant, c'est que c'est la plaque, vous voyez, elle a plein de petits trous. Donc à chaque fois, elle se prenait ce trou-là ou celui-là. Donc à chaque fois, en fait, ça a changé totalement la trajectoire. Donc j'étais jamais sûr de où elle allait aller. Trickshot suivant. Let's go. Là, on va finir avec un grand truc, avec un spectacle. Yes, c'est stylé. Ok. La canette de faire tomber ce DVD, qui va faire tomber ces DVD. Bon, ça part en parcours de domino, tout va bien. Si jamais vous aimez bien les trucs comme ça de domino qui tombent et tout, sur ma chaîne, bah oui, du coup on est sur la chaîne, c'est logique, mais bref, j'avais fait une vidéo avec mon frérot Antoine, si vous l'avez toujours pas vu, allez la voir. On a essayé de faire un parcours énorme de domino chez moi. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, je vous ferai avec lui une partie 2, mais cette fois-ci on va tout défoncer. Ok, donc dites-le, c'est très important. Je vais vous laisser là, je vais continuer. En gros, je veux que ça... Ça, je vais l'activer, je sais pas comment, ok. Je vous laisse pour l'instant avec ça, cette idée que j'ai eu là maintenant. Je veux que ça actionne ça. Ça, ça va actionner ça, qui va tomber sur la canette. La canette va rouler, va faire tomber ce DVD. Ce DVD va tomber pour faire tomber ces DVD là, qui vont, une fois ici, éteindre cette lumière. Donc, comme ça, ok. Et après, une fois que la lumière sera éteinte, je veux que ça actionne l'éclair plus les ballons, ok. Donc, en fait, mon studio sera prêt à tourner. Donc, ça va être grave stylé, ok. Donc, on va essayer de faire ça et puis on verra bien. Est-ce que ça va être possible? Je sais pas, on verra. Allez, let's go, on essaye. Je mets la caméra en accéléré parce que sinon pour vous ça va être ennuyant. Je vous laisse avec une petite musique que vous aimez très bien. Et puis let's go, c'est parti, à tout de suite. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Écoutez, je viens de terminer, du coup voilà, ça va faire tout ça. Il y a beaucoup de trucs, ok. C'est pas la première fois de ma vie que je le fais, j'ai déjà fait plusieurs fois quand j'étais petit et tout, mais à chaque fois, jamais de ma vie, ça a jamais marché du premier coup. Et souvent, il y avait toujours une couille, je devais gros. Enfin bref, là, imaginez-vous, ça marche du premier coup tout entièrement, ce serait vraiment cool. Donc on va essayer, c'est parti. Hein. J'ai le petit stress quand même. Allez, go. Ça serait juste incroyable si tout réussit en tout cas du premier coup. Vraiment, je serais refait. Allez, go. Ok. Que carré, ok. Oh, presque, putain, il a pas bien appuyé. Ok, putain, en tout cas ça avait presque tout marché. En tout cas je suis refait. Ok, on va réessayer. Bon allez, on va essayer une deuxième fois, une dernière fois. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, let's go. Ok, allez, il va s'activer. Ok. Bon, pas grave, on va éviter plus tard. Ok. Oh non. Ok. Oh putain, j'en ai marre. Ok la team, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que tu l'as apprécié parce que franchement moi j'ai adoré tourner ça. De toute façon, comme tu le sais, les trick shots, j'adore ça. De toute façon, comme chacune de mes vidéos, j'adore le faire. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que j'aime le faire. Bon, et des fois il y a des thèmes que j'aime moins que d'autres, mais vraiment j'aime tout le temps toutes les vidéos que je fais. Bref, n'oublie pas de me dire dans les commentaires si toi tu aimes faire des trick shots, si tu aimes regarder mes vidéos sur les trick shots. Voilà, tout simplement.
tout simplement. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like et abonne-toi si tu es nouveau, c'est toujours pas fait. Active la petite cloche des notifications. Et puis sur ce, n'oublie pas, tu peux aller dans la description, regarder plein d'autres vidéos, apprendre le salto arrière, des vidéos sur le divertissement, des vidéos sur l'humour, des vidéos sur ce que tu veux, ok? Donc je te laisse aller voir dans la description, je suis sûr qu'il y a plein de vidéos qui vont t'intéresser. Sur ce, n'oubliez pas la team, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et voilà. Et c'est tout. Trickshot! Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.